C'est pas un good spot, c'est un good place. It might be a good place to find some ingredients. Il est où le coffre? Là-haut peut-être? Ah, il est là. Alors, 8 boulons de magie, très bien. La lumière, ah, la lumière. Bon, on va rester dans la lumière pour le moment. Tac, 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 tac. Voilà. Là, 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 là. Voilà. Et on va vers Chocobolina. Ah! Alors, je sais pas comment on monte là-haut. On verra. Passionate about their work. They're working just as hard as ever, even in the dark. Speaking of passionate, I'm the most passionate person I know when it comes to making a living. And on that note, please peruse my passionately promising. Alors, fais voir. Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as des armes? Non, t'as pas. Je pourrais peut-être te vendre ma foi ces anciens trucs. Au niveau des accessoires, pour l'instant, je garde. Les matériaux, ça, je garde. Non, je garde tout pour l'instant. Ah, quoique, au niveau des catalyseurs, il y a des trucs, je suis sûr, ça se vend. Bon, on verra. Oui, il fait sombre, il fait sombre, je sais. Alors, là. Un seau cicatrice, c'est quoi ça? Ah! Et pourquoi le monsieur il est dans le, il est dans l'ombre, ça fait rien. C'est quoi ce saut? C'est un objet clé? Ouais, c'est un objet clé. Ferme les portails du point espace-temps ruine de Brecha. Ah! Ah ah! J'ai quelque chose pour les ruines de Brecha. D'accord. Bon à savoir. Allez, disparaît. Disparaît. Voilà. Toi, arrête de frapper dans le vide. Monsieur, vous êtes dans le noir là, c'est pas dangereux? That building over there is part of the Padre ruins. You should take a look around if you have the time. Ok. Alors, on continue. Ouais, tout le monde est dans le noir, c'est dangereux pour personne sauf pour moi, j'ai compris. Alors, un légume, pourquoi pas. Ensuite. Ça va. Allez, mettez-le-moi en choc. Une petite mandragore pour aller dans ma collection, je ne dis pas non. Il va mourir avant, c'est pas grave. Allez, ma petite mandragore, il faut mourir maintenant. À terre, à terre. Allez, mettez-le à terre. À chaque fois j'entends la voix de Théoden, c'est... C'est terrible ce truc. Ok, alors tout ça pour des gils, je prends. Là, le passage au sud. D'accord, c'est juste un raccourci. Ok, d'accord. Alors là, c'est bloqué. Qu'est-ce qui est censé y avoir par là? C'est quoi cette sphère rouge là-bas? Il est dangereux. Ok, d'accord. Hey Scooby, where are you? Oh, l'attaque surprise, c'est méchant ça. Alors, est-ce qu'on va réussir à le mettre en choc? Je ne pense pas.
Ah, quoique. Quoique, quoique. Non. Dommage. C'était pas passé loin. Le scénario refuse que vous passiez par là, c'est ça. Alors, Chocobo Crocolina. Bonjour. Are we not allowed to go inside? I'm very sorry. Only persons on official academy business are permitted beyond this point. Mais un coffre. Bon ben ma foi, allez, allons-y, let's go. Je suis un serviteur du scénario secret. Détenteur de la flamme en scénarium. Votre paradoxe sombre ne vous servira à rien, Halloïd. Allez, go 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 go. Ouais, même pas mal, même pas mal. Allez, go 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 go. Ah non, j'ai cru qu'il allait refaire son truc. Comment il... Donc Halloïd, indomptable, sans blague. Ça aurait été rigolo de pouvoir le dompter celui-là, ma foi. On va se mettre un peu en défense là. Hein. T'inquiète pas, on va te la faire sauter la barrière, mon vieux. Soigne-toi par contre, Kaïsid, s'il te plaît. Allez, enlève-moi mes malus, Noël, s'il te plaît. Donc pourquoi je change à chaque fois de stratégie? Simplement parce que je vous rappelle que quand je passe en défenseur, j'ai un bonus de défense. Donc si ça peut m'éviter de prendre trop de dégâts. Allez, go! Non, je me suis trompé, je me suis trompé! Aïe. Allez, 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 allez. Go, go, go. On bourre, on bourre, on bourre, on bourre. Et merci pour le follow, Tidus est un rêve. Bienvenue à toi. Comment vas-tu, Tidus? Ah, cette manie de mettre fragilité à chaque fois. Même pas mal. Allez, go. Même pas mal. Allez, faut mourir maintenant, monsieur. Alors Tidus, évite de spoiler s'il te plaît, moi je connais le jeu mais pas d'autres. Allez, allez, en défense. Thank you.
Attendez, je peux pas suivre le chat et le combat en même temps. Allez, mettez-le moi en choc. Like these are cornered, they cause a space-time vortex to appear. An electromagnetic shock usually shuts them down. It's been a while, Sarah. Is that you? I'm grateful you remember me. Who's this? Director of Academy Research, Team Alpha. Hope Est, I'm at your service. And you must be Noel. Nice guess. Who told you? You appeared here with Sarah some years ago at the Brescia ruins. Subsequently, we analyzed the gate and forecast your reappearance at this location. To be honest, I didn't really believe that time travel was possible. But here you are. I'm really glad you're safe. For me, it's as if time has stopped. Everyone I knew is gone. From your point of view, it's been years since you last saw Sarah. Not just Sarah, Snow as well. And Saz and his boy. You all disappeared from my life. It's been 10 years now. I never thought... When the paradox occurred some years ago, I thought if I could solve it, maybe you would all come back. Director, help! There you are! What were you thinking? Taking off and leaving me all on my own. It was a shock seeing Hope grown older than me, but he was still the same Hope I knew. Lightning, Hope listened to my story without saying a word. I told him about how I'm the only one who remembers your smile on the plane of Grand Pulse. I told him about how Snow set out to try and save you and Vanille and Fang. And I told him about Noel. Noel from the future. There's something I want to show you both. We can continue our conversation as we walk. I'll show the way. Shall we? Bah en fait, techniquement, internaute a raison. On a eu un petit troll qui est venu spoiler la fin du jeu. Bon, c'est pas bien grave. Vanille, Fang, Lightning, they turned to crystal so that we might live. Il est où le coffre? Bon, on verra après. Pour l'instant, on suit Mister. C'est bon, trouver un moyen de passer. Bon, alors attendez, avant de parler à Hope. Ah bah oui. Copa, copa! Alors, un saut de sérénité. C'est quoi? C'est un équipement ça? Ah, fragment, oui. Âme de monstre. Alors, fragment d'Aloïde. Aloïde est l'ennemi mortel du géant Gog Magog. Selon la légende, pour se venger de celui qui avait causé son bannissement, Aloïde condamne Gog Magog à errer parmi les failles nichées entre les époques. Il exècre toute chose vivante dans ce monde et lorsqu'il connaît la défaite, il déforme l'espace-temps environnant dans le but d'emporter son adversaire dans la mort. Pas mal. Ok, au niveau des dossiers, c'est quoi? Personnage Hope.
Pendant un instant, j'ai lu Sarkozy là. Mon dieu, Sarkozy aurait bien changé. Et la demoiselle. Bon, allez, ok, c'est ce que ça vous fait plaisir. Et oui, c'est encore lui. Toi aussi, tu aimes le contenu de Beefbook, alors n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à activer la cloche. Ça l'aide et ça l'évite de se prostituer. Et si jamais tu es encore plus fan du contenu de Beefbook, n'hésite pas à acheter l'album du Hater pour la somme modique de seulement 999 francs. Tu pourras y retrouver tous les moments cultes du Hater avec... Tu vas faire Resident Evil 5. Mais aussi... Tu vas jouer à Smash Bros. Mais encore... Moi je fais Kingdom Hearts level 1. Mais aussi... FF7 c'est mieux que Kingdom Hearts. Mais aussi... Pourquoi t'es débloqué? Mais aussi... Pourquoi t'as bloqué Oncle Ben? Tous ces titres sont désormais disponibles sur la page YouTube de Pif Pouf Mirou. Et si vous achetez l'album avant la fin du live, vous aurez droit au bonus track. Waouh, pourquoi il y a autant de dislikes? Mais aussi 20 dislikes supplémentaires à mettre sur la chaîne de Pif Pouf Mirou. Et maintenant, place au Beefail. Et félicitations Fallon pour ta co. C'est cool si ça va... Du coup, si tu peux suivre les trucs sans problème maintenant. C'est cool, c'est cool. Alors du coup, reprenons. Reprenons. Il y a un coffre, il doit être là au-dessus, je pense. Oh, mais... Tac, tac, tac. Alors, 3 remèdes. Ah oui, attendez, du coup, il faut que je remette les fenêtres correctement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Qui c'est? Bonjour. C'est quoi? C'est un falsi, ça? Ah non, c'est un falsi, qu'il en reste. Chaque fois que je sais, j'avais pas envie de travailler, problème résolu. C'est pas faux. Ok, figurine carbuncle. Oh, attendez! Une petite figurine carbuncle. Caseit, ornement. Ah ouais, non, sur la tête, j'aime pas. On va te laisser ta truc. Et toi, à la limite, peut-être... Ah, toi, tu peux pas en avoir d'ornement. Bon, bah d'accord. Comme ça, c'est fait. Ok, bon, mais dans ce cas-là... Ok. Youhou. Alors, allons parler à Hope. Petite sauvegarde. Voilà. Ce qui est appréciable, c'est que les sauvegardes sont quand même très rapides, mine de rien. Donc là, au niveau de la zone, il y a ça à visiter. Et après, on a, une fois que ce sera débloqué, on aura quasiment tout fait. We're in a position to build a society based on human technology. No longer subject to the whim of the Falsi. That's the gift we've been given. Oui, je sais. Et alors? Guests of yours, Director? Watch your step in there. Thank you. Isn't the Academy a research institute? Why do you need so many soldiers? Without the Falsi around, we have to be able to protect ourselves. And that means guns. The time distortions spawn hostile creatures. Until we can resolve the paradox, we need military force to repel threats. Ça se tient. These armed patrols are essential for our safety. Ça se tient, ça se tient. Alors, on fait apparaître la map, hein, excusez-moi. Par là, voilà. J'arrive, Hope. J'arrive. Là-bas, je vois un objet qui est déphasé. Oui, je dois avoir l'original quelque part, probablement. Mais voilà. Talisman enchanté. Qu'est-ce qu'on a là-haut? On va aller voir. Hop, il pourra attendre. Non, je peux pas. Bon, d'accord. J'arrive. I can't comprehend how people used to live here.
to believe it's really been 10 years. So much time has passed. Le temps passe vite. De quoi est-ce qu'on va lui parler? On va lui parler des ruines, ça va l'intéresser. This is some kind of ancient city, right? The city of Padra, or so we believe. It was the center of a great kingdom built by a nation known as the Farseers. The Farseers? You're telling me there used to be enough of them to build this entire town? According to our research, we believe they constituted an entire nation. A polity that was ruled by a Cirrus. J'aime beaucoup ce thème là. Can you see me now? Standing here in this place. Le va te faire cuire du riz, c'était sur FF7 Remake ou un truc comme ça. Je pense pas que c'était sur Grandia. Pif Pouf a raison, c'était plus vieux que ça. Il t'avait appelé au micro-ondes ou une connerie comme ça. Mais je suis pratiquement sûr que c'était sur FF7. Yule. Le thème de Yule, j'aime beaucoup. Travel through time. I suppose it's not surprising you know about these things. The power to rule was passed down from one Cirrus to the next. She was always called Yule. If they could read time, why did they die out? Surely they could see the danger coming and do something to avoid it. No, they were destroyed because they could see the future. Why? The Cirrus Yule foresaw the future destruction of this city. Some citizens wanted to try to avert the disaster. Others felt that they should simply abandon their homes and run. A few fell into despair and took their own lives. The divided populace clashed. The nation was torn apart by civil war. Being able to see the future is awfully dangerous. It can mess with people's heads. Tell me about it. The nation fell apart, and the survivors fled into the wildlands, avoiding contact with others. Huh. So you know the story. Oh! Come on, Director Hope! I want to show them! It's okay to show them, isn't it? This way. Me montrer quoi? This is what lies at the heart of our paradox. The Oracle Drive. We've been giving it careful study. But... how did you... Wait. You know of these devices? Oh, well, yeah. I've heard of them. In books and stuff. The Oracle Drive appears to be some kind of recording apparatus from ancient times. We've excavated a number of the devices. However, the recordings depict things that cannot be possible. Perhaps you should see for yourselves. This is how it works. The device was excavated from an ancient part of the ruins. We used carbon dating methods to determine age. The device and the recording stored within are several centuries old. But it shows lightning. Bah, il montre les événements d'FF13 en fait. This vision of the future. Perhaps it was the Cirrus Yule herself. What we're concerned about, however, is this. You'll have to excuse the image quality.
Yes, I think so. We need to conduct further analysis to be certain. Is it broken? No. We've tested both device and data, and everything is nominal. Yet, when we try to view the recording, we get this. Perhaps it's not the recording that's broken. It's the immediate space-time in which we are located. Mm-hmm. You mean it could be the paradox? Because the surrounding space-time is twisted, that might be directly affecting the device. So, if the paradox is eliminated, space-time will return to normal. Then we could see the prophecy and find out where my sister is. Yes, I believe so. Right. Alors, on va essayer d'éliminer les parasites. An artifact. This object serves as a key, is that right? We try to make it work ourselves, but with no success. Yeah, we can use that to travel across time. Then you may have it. I think it'll be far more useful to you than us. Here. Maintenant que j'ai la couille, ils nous mettent des images floues. Alors, l'artefact du néant. As we traveled outside time and space, Hope had devoted himself to his research, trying to unlock the mystery of the paradox. If the gates are the cause of the puzzle, they might also be the key to unlocking it. But I wonder, am I getting closer? Will I find lightning in the end? Time to find that gate. It was in the ruins. Bien, 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 bien. Bon, là, je peux pas y aller. Là, il y a rien, visiblement. Dossier mis à jour. Quoi? Qui? Que? Comment? Histoire et légende. Les clairvoyants. Donc ça, il nous l'a raconté. Les lecteurs d'oracle. On vient de voir à quoi ça sert. Pas la peine de s'embêter à lire. Ok. Bon, bah, alors allons-y. Hein. Allons ouvrir un nouveau portail. Portail qui est... Là-bas. Ok. De toute façon, ici, c'est pareil. Il faudra revenir. De toute façon, toutes les zones qu'on visite pour l'instant, il faudra y revenir. Donc la musique qu'on entend, c'est le thème de Yule. Pour l'instant, vous l'avez vite fait aperçu, il me semble, Yule. Mais on la verra, on aura l'occasion de la revoir. Hein. Oh, pas toujours été cool, juste tu ne le savais pas encore. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord, je plus sois Arte. Alors, le paradoxe. C'est quoi ce machin rouge là? Mais ça vous choque pas la boule rouge qu'il y a au-dessus? Non? Non? Non, on avance? Bon, bah d'accord. Ok. Alors, l'artefact du néant. Here, this must be the gate Hope was talking about. Maybe. Yeah. What? There's something on your mind. Yeah, well, sure, but it's just personal stuff. C'est le lecteur... Non. Alors, ouais, c'est pas le lecteur d'aura, c'est la prophétesse qui te tracasse. Is it about the Cirrus? That's right. Nice guess. Oui, mais c'est peut-être parce que je connais ton histoire aussi. That reminds me of something Lightning told me. She said that from Valhalla, you can see all of history. If that's true, then the Padre Cirrus and Lightning have seen the same things. Which means Lightning already knows what's going to happen to us. Something had been bothering Noel. And it had been ever since we heard the story about the Padre Cirrus Yule. Of course, he wasn't the only one who was troubled. Was it really Lightning I saw in the flickering images of the prophecy? The only way to find out is to go through this portal and solve the paradox.
Tout ça pour une potion, merci.